te kolobo lolo yakosunda zame na biso kito sala moko na koki ya solo to koko kate lolo yakosunda zame na biso kito sala moko na koki ya solo na koki te ko right now, my beloved, let's raise our voices and praise the Almighty Lord. Let's bless Him because He's wonderful. Let's bless Him because He's marvelous. He's allowed us once again to gather for our service, for His name and for His glory. He's been with us. He's protected us. He's looked after each and every one of us. He's been with our households, whether we've gone out, whether we've been at home. The hand of the Lord has not left our houses. It has not left our lives. And for that, He is worthy to be praised. Let's use this moment just to praise Him for who He is. Let's just praise Him because He's wonderful. Let's just praise Him because He's loving. Let's just praise Him because He's the creator of the universe. He's the Alpha and Omega, and there is no one like Him. We pray in Jesus' name. Father in heaven, we come before you right now to bless you because you are glorious. Father in heaven, we come before you right now to worship you because you are marvelous. Lord, I come before you right now to exalt you because you are wonderful. Lord, I come before you right now to bless you because you're the King of Kings and because you're the Alpha and Omega. Lord, I come before you right now to elevate. Wonderful. But Lord, if I do not exalt you, Lord, who else shall I exalt? Lord, we come before you right now to bless you for allowing us once again, Lord, to be a part of your service today. Lord, we are seeing the sorrow, the sadness that is going on in the world, but yet Lord Jesus Christ, that has not stopped your work to be done. Lord, that has not stopped you revealing your glory, your greatness and your power. Therefore, Lord, we come before you right now to bless you. Therefore, we come before you right now to elevate you and bless you in each and every way. Lord, I bless you for the life of each and everyone here. Lord, I bless you for the life, Lord Jesus Christ, of my family. Lord, we bless you for the vessel of honor ministries, for this church would not have existed, Lord, if it was not for you. Lord, we would not be here right now if it was not for you. Lord, we thank you for once again allowing us to see today's day. Lord, we thank you, Lord Jesus Christ, for fighting for us. Lord, when we were asleep, Lord, when we were none the wiser, you fought battles, Lord, that we did not have the eyes to see. And Lord, the battles for our life, Lord, the battles for our health, Lord, the battles for our family. But Lord, you came in and you brought us victory and allowed us once again to be here. Lord, you once again brought us victory, Lord, and gave us your life. Lord, we have not found ourselves alone. Lord, we have not found ourselves with those that are sick. Lord, we have not found ourselves, Lord Jesus Christ, anywhere other than your mighty presence. And so that we come before you right now and we bless you. Lord, if we do not exalt you, who shall we bless? Lord, if we do not bless you, who shall we bless? Lord, only you are merciful. Lord, only you are forgiving. Therefore, we come before you right now, Lord. We call upon you, Lord. We bless you because you are marvelous. We bless you for your mercy. Merci mon Dieu le roi, merci papa, tu es digne d'être Dieu Seigneur. My beloved, now we're bowing down before the Almighty Lord. Now we are going to call upon the Lord's mercy to descend upon each and every one of us. We know that we fall short of the glory of the Lord every day, whether it be by our eyes, by the things we allow ourselves to see, whether it be by the things we allow our ears to hear, whether it be by the things that we confess with our mouths, whether it be by the things that we harbor in our hearts, whether it be by our actions, we fall short of His glory every day. But we know that the Bible tells us that the Lord so loved the world and He sent His only Son. He went upon that cross. He took on every sin. The Bible told us that He paid a price for all time, so that each and every sin can be forgiven. So the moment has been given unto us right now. We are in a time where we need to be imploring upon the mercy of the Lord. We do not need to say again and again with all that is going on. It's the time to truly plead with Him. It's the time to throw ourselves before His feet and truly seek His mercy and truly seek His forgiveness. His mercy to be upon us. His mercy to be upon our families. His mercy to be upon the vessel of honor ministries, where we had fallen short, where we were far. We thought that we were in the presence of the Lord because we were coming to church, because we will watch things on Facebook, preachings on Facebook, but we may have been far. But the moment had been given unto us to go back to the Father, to go back to the one who paid a price for us. In the mighty name of Jesus Christ, let's call upon His mercy to descend. Father in heaven, we come before you right now because you're merciful and because you're forgiving us. Lord, we
parce que vous allez voir. Ça ne se fait pas là parce que vous allez voir. Lord, we say la miséricorde dans les hauts de la mienne, c'est Dieu, les canons là où. Bonne bonne tout le monde, c'est vrai que vous allez dire pour ça que vous allez dire. Bonne bonne tout le monde, c'est vrai que vous allez dire pour ça que vous allez dire. Mais donc, on peut en faire une super là. Ça la mission grâce. Mais Lord, we will fall. Lord, we will fall due to our actions. Lord, we will fall due to our words. Lord, we will fall due to our thoughts. Lord, we will fall due to the things that we allow our eyes to see. But Lord, we know that you are merciful, God. Lord, we know that you are forgiving, Lord. Therefore, Lord, I come before you right now and I call upon your mercy. Lord, your mercy to descend upon me. Lord, forgive me for all that I have done. Lord, forgive me for all that I have done. Lord, what is it I have confessed? Lord, forgive me if I move in error. Lord, forgive me if I walk in ignorance. Lord, forgive me if I walk in ignorance. Lord, forgive me for prioritizing things that did not give honor unto you. Lord, I come before you right now and I call upon your mercy. Lord, your mercy to descend upon each and every one in this household. Lord, your mercy to descend upon my parents and my siblings. Lord, your mercy to descend upon the church of my siblings. Lord, we played around in your presence. Lord, we played around before you. Lord, we took your things as a joke. Lord, we did not spread you in the first priority of our life's place. Therefore, we come to you and we call upon your mercy. Lord, your mercy to descend upon the children of the Lord. By his stripes we are healed. If there was no shedding of the blood, there would be no forgiveness of sins. And therefore we are calling upon that blood that is powerful, that blood that is our shield, that blood that sanctifies, that purifies. When the blood of the Lord sanctifies, it does not leave any stain and marking. It removes all that is not of the Lord. It removes all that it does not give glory unto him. So let's call upon the sanctification of the blood of the Lamb. Every area of our lives to be touched and washed by the blood of the Lord. The blood of the Lord to sanctify the children of the Vessel of Honor Ministries. And let's call upon that blood to be our shield. That blood to be our protection. That blood to be our covering. That blood to be upon each and every family. If there was any exposure, if there was any opening, we are calling upon the blood of the Lamb to be our protection. We pray in the mighty name of Jesus Christ. Papa, to you, Father in heaven, we come before you right now because la maquillage, la maquillage, la victoire, la puissance. Maquillage, c'est pas pour la vie sur Seigneur. Maquillage, c'est là qui réveille. My beloved, let's call upon the manifestation of the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord to move in each and every one of us. We have seen before all these things had taken place. So many had become tired. So many had become idle. The Lord had just become like a habit. You just
doing it because it's the routine. But the Lord that we serve is not a Lord that is just a habit. The Lord that we serve is a Lord that we must be connected with 24/7. Whether we're at church, whether we're at home, the Spirit of the Lord to move in us. The Spirit of the Lord to inspire our words. The Spirit of the Lord to inspire our actions. The Spirit, the power of the Spirit of the Lord to move. Because only when the Spirit of the Lord is in movement that there is transformation. Only when the Spirit of the Lord is in movement, there is deliverance. Only when the Spirit of the Lord is in movement that people are convicted and touched by the word. So let's call upon the Spirit of the Lord to move. And as we prepare to go onto our live feed for the preaching, we are calling upon whosoever will watch this for the Spirit of the Lord to touch them, for the Spirit of the Lord to impact their life. We pray in the mighty name of Jesus Christ. Father in heaven, we come before you right now, Lord, to call upon your Spirit. Lord, we come before you right now to call upon your Spirit that is of power. Lord, we come before you right now to call upon your Spirit of revelation. Lord, we are for too long, Lord, we were tired. Lord, for too long, we were just walking in the flesh. But Lord, we are seeing that by doing that, Lord, we will not go forward. Therefore, we come before you right now, we want your mighty Spirit to be manifested. Lord, Spirit of the Lord, inspire our words, inspire our actions. Seigneur Jésus, manifeste-toi et glorifie-toi. Le roi des rois, Seigneur, agis, mon Dieu, mon roi. Nous laissons tout entre tes mains. Nous voulons être remplis, touchés, conduits par ton esprit. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Parce que tu es le roi des rois, manifeste-toi et glorifie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, parce que tu es mérité. Au nom de Jésus Christ. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Il est le roi Jésus. Il est le roi. Il est le roi Jésus. Il est le roi. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Il m'a choisi, Jésus. Il m'a choisi. Il m'a choisi, Jésus. Il m'a choisi. Yango toko ganga. Alléluia. Oyembela. Amen. Okumisa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Je vous salue, bien-aimés, ceux qui nous suivent dans notre ligne, que ce soit YouTube. I greet you all those that are following us online, whether it's on YouTube. Que ce soit dans notre Facebook. Whether it is on Facebook. Ce que je vais vous demander. What I will ask. Il y a plusieurs qui ont besoin de la parole de Dieu. There are many who need
the word of the Lord, ce que tu peux faire maintenant, what you can do now, c'est partager ce message avec et aussi dans notre dans ta plateforme. Is to share this message with others on this platform. Et partage cela avec plusieurs, que ce soit dans Facebook, que ce soit dans YouTube. Share it with many, whether it's on Facebook, whether it's on YouTube. Parce que ça peut bénir la vie d'une personne. Because that is, will bless the life of someone. Nous sommes dans le livre de Romains. We are in the book of Romans. Romains 12. Romans 12. 1 à 2. Romans 12, verses 1 to 2. I read in the mighty name of Jesus. Amen. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, souligner sacrifice vivant. If you could please highlight where it says a living and holy sacrifice. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire. My beloved, we are to pray. Seigneur, je recommande ce moment de la parole. Lord, I surrender this time for the word. Aide-nous au travers le Saint-Esprit. Help us through the works of the Holy Spirit. Que nous puissions avoir quelque chose. For us to have something. Même un mot venant de toi. Even a word that has come from you. Qui pourra changer nos vies. That can change our lives. Tout ce qui n'est pas de toi. All that is not of yours. Que cela soit aboli. May that be abolished. Gloire et louange te soient rendues. Glory and praise comes from you. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que nous avons ainsi prié. That we pray. Amen. Amen. Bien-aimé, le petit sujet que je vais exploiter aujourd'hui. My beloved, the small theme that I am to explore today, que Dieu nous recommande, that the Lord has recommended, que nous puissions nous sacrifier pour l'Éternel, for us to give ourselves as a sacrifice to the Lord. Bien-aimé, toi qui me suis, my beloved, those who are le following temps me, est arrivé, the time has arrived, que celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, that he who has received Jesus Christ in their life as their Lord, que nous puissions nous sacrifier, for you to give yourself as a sacrifice. Bien-aimé, le temps que nous sommes, the time that we're at, au moment où tous nous sommes confinés dans nos maisons, in the time where we're all confined in our households, au moment où les gens pensent que Dieu n'existe pas, the moment in which people feel like, as if the Lord does not exist, quel est ton rôle étant que chrétien, what is your role as a Christian, quel est ton rôle étant qu'un enfant de Dieu, what is your role as a child of God, qu'est-ce que tu fais pour ce moment, what are you doing at this moment, où partout dans le monde entier les gens sont en train de bouger, les gens ne savent pas quoi faire. The whole world is moving and they don't know what to do. Mais Dieu, lorsqu'il parle, il planifie déjà toutes choses afin que nous puissions être prudents. But the Lord has already planned all things in order for us to be careful. Un enfant de Dieu, par rapport à chaque situation, par rapport à chaque circonstance, nous devons être toujours prudents. In every circumstance, in every situation, we must always be careful. Bien-aimé, tu ne peux pas voir ce que nous vivons actuellement. My beloved, you may not see what we're actually living. Mais le temps est arrivé pour nous de prendre des décisions difficiles si on n'en a jamais fait. But the time has arrived for us to make difficult decisions that we have never done before. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Are you a child of God? Comment est-ce que tu te comportes? How are you conducting yourself? Venir chaque fois à l'église n'est pas synonyme d'inhabitude. Coming to church is not synonymous as a habit.
Tu peux faire 20 ans dans l'église, mais tu n'as jamais changé. You can be in the church for 20 years, but you never change. Mais avec tout ce que nous voyons maintenant, but with all that we see now, c'est le temps de changer. It's the time to c'est change. Le temps que nous puissions nous sacrifier. It's the time that we should make a sacrifice. Bien aimé, on peut tout te donner. My beloved, they can give us all. Au moment où je parle, in the moment that I'm speaking, même les gens qui sont des milliardaires, even those that are considered millionaires, même les gens qui sont des billionnaires, that are considered billionaires, je pense qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir jouir de leur argent, de leur bien. They haven't even got the time to enjoy their wealth, their goods. Parce que personne a cette capacité de sortir, de faire tout ce qu'on faisait avant. Because no one can go out and do what they were doing before. Ça, c'est le temps de Dieu. That is the time of Dieu God. Veut que nous puissions rentrer à l'ordre. The Lord wants us to return Dieu back veut to que nous puissions nous sacrifier. The Lord wants us to make a sacrifice. C'est pour cela la Bible dit. Which is why the Bible says, écoutez, j'aime le livre des Romains. Listen, I love the book of Romans. Parce que le livre des Romains, à partir du premier verset jusqu'au 16e verset, jusqu'au 11e verset, because the book of Romans from the first verse to the 11th est en train de nous montrer comment est-ce que nous sommes censés de mettre la base dans notre vie chrétienne. It shows us how we should lay the foundation for our Christian et on life. Est en train de nous montrer les principes doctrinaux de la religion chrétienne. It shows us the principles, the doctrines of our Christianity. Mais à partir de verset 12, but from verse 12, là nous voyons maintenant la fondation, notre fondation étant chrétien. That is where we truly see the foundation for us Christians. La Bible dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Therefore I urge you brethren by the mercies of God to present your bodies a living and holy sacrifice. Lorsque nous parlons de corps, when we speak of the body, de sacrifier to sacrifice nos corps, our body. Dans le corps, il y a trois parties. In the body, there are three parts. Si on dit de sacrifier le corps, c'est-à-dire toutes ces parties-là doivent être sacrifiées. If they're saying for us to sacrifice our body, that means every part. Dans le corps, nous avons l'âme. In the body, there's a soul. Nous avons l'esprit. There's a en nous, spirit. En tant qu'humains, nous avons as l'âme. As humans, we have our soul. Le l'âme, le corps et l'esprit. The body and the spirit. Donc, alors, si on dit que nous devons nous sacrifier, so that if we say that we are to sacrifice, c'est-à-dire nos corps doivent être pour l'Éternel, it means that our bodies are to be sacrificed for the Lord. Notre esprit doit être sacrifié pour l'Éternel. And our spirits are to be sacrificed. Et notre âme doit être sacrifiée pour l'Éternel. And our souls are to be a sacrifice to the Lord. Parce qu'il faut comprendre une chose. Because you need to understand. Notre corps, auparavant, avant Jésus, était un corps de péché. Our bodies before Christ came was a body of sin. Mais lorsque Jésus-Christ a tout accompli sur la croix, il a pris notre place, nous qui étions des pécheurs, pour que nous puissions retrouver une nouvelle nature. But when Jesus Christ had came on the cross, he came to take the place of sinners so that we could go back to our natural state. Et cette nouvelle nature, and that new nature, ce n'est plus une nature de péché. It was no longer a nature of sin. C'est la nature de Dieu. It's the nature of God. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses me comprendre. Lorsque tu vis dans la nature de Dieu, so I want you to understand when you live in the nature of God, tu es différent des autres. You are different. Tout ce qui se fait dans le monde, all that is taking place, toi in the tu world, vas prendre ça dans l'autre forme. You will take it in another parce way. Que tu es un enfant de Dieu. Because you're a child of lorsque God. Les choses se font, when things are toi tu vas demander la volonté de you Dieu. Will ask for the Seigneur, of God. Qu'est-ce que tu dis pour moi? Lord, what is it Seigneur, that qu'est-ce que tu veux me? Que je fasse? What do you want from écoutez, me au moment où je parle, listen, at the j'ai dit ça aux gens qui sont tout autour de moi. I say it to the birds that are around me. Les gens qui volent. The birds that steal. Ils veulent que cette quarantaine puisse, ce confinement puisse prendre fin afin qu'ils puissent rentrer au vol. They're waiting for this quarantine to end so that they can go back to stealing. Les gens qui vivent dans l'adultère. Those that live in adultery. Ils ne sont pas contents. They're not content. Parce qu'ils sont dans la maison. Because they're at home. Ils veulent que cette histoire puisse prendre fin afin qu'ils puissent rentrer dans l'adultère. They want this issue to be at an end so that they can go back to being adulterous. Mais ce que nous oublions. But what we forget. Les gens qui sont des sorciers. Those that are sorcerers. Ils n'ont pas de repos.
They never rest. Ils se sont levés maintenant pour commencer à combattre les enfants de They've Dieu. Now stood up to fight against afin de chercher God. D'accomplir leur mauvais projet. Up until they will seek to accomplish their Mais evil toi, un enfant de Dieu, But you, as a qu'est-ce child que of God, tu fais maintenant? What are you doing tu right es où, enfant de Dieu? Where are you, La Bible child of God? Dit The Bible says que nous sommes censés that we are. Alléluia. De sacrifier nos corps vivants. We need to sacrifice our living bodies. Écoutez, lorsque la Bible dit, Paul, la Bible dit, je vous exhorte. When the Bible is saying, therefore I urge you. Exhorter, c'est-à-dire encourager. To urge you is to encourage you. Exhorter, c'est-à-dire donner conseil. To urge you is to advise you. Expliquer. And to explain. Donner des directions. To give you the direction. Hallelujah. Donc, le temps que nous sommes, the time that we're at, si nous voulons bien vivre, if we want nous to sommes live censés well, de suivre la direction de Dieu. We need to follow the direction Or, qu'est-ce que les Écritures nous disent? What did the Bible say? Que nous sommes censés de sacrifier notre corps. That we need to present and sacrifice our bodies. Écoutez-moi très bien. Listen to me very si well. Les gens arrivent à dire, c'est comme si Dieu n'existait pas. If people are coming to say, it's as if God doesn't ce sont des gens qui ont sacrifié leur corps à Dieu? Are there people who have given their bodies as a sacrifice Est-ce que ce to sont des gens qui se sont donné corps, âme, esprit à Dieu? Are there people who have given their body, soul and spirit to the Lord? Parce que toute personne qui s'est sacrifié Because every person who was given qui a donné son corps, son âme, son esprit à Dieu soul, their body, their spirit to the dans world. Ce moment où je parle dans ce moment que nous vivons in dans this le moment, monde as I'm speaking, in the moment that the world, what the world is living de cette personne, de telles personnes sont Those très forts people are strong. Pourquoi ils sont forts Why are they strong? Parce que la Bible dit For the Bible says, sacrifice vivant c'est agréable à Dieu ce qui sera raisonnable. Bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Alors, j'aimerais que nous puissions lire. I want us to read. J'aimerais que nous puissions lire. I want us to read. Nous sommes dans Ephésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? In the book of Ephesians 2, verse 10, what does the Bible say? Ephésiens. Ephesians, chapter 2, mm-hmm. verse 10. Mm-hmm. I read in Jesus' name. Amen. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, mm. which God prepared beforehand so that we would walk in them. Amen. Amen. Ephésiens 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. We are his workmanship. Donc, si nous existons parce que Dieu nous a créés, That means we are in existence because nous sommes God censés us. De sacrifier, de vivre la vie de sacrifice parce qu'il nous a créés. We are to live a life of sacrifice because he has created us. Ayant été créé en Jésus-Christ. Alors, j'ai dit ceci. I say this. Notre natif premier était du péché. Our first nature was of sin. Lorsque nous avons reçu Christ, When we received Christ, il a changé notre vie. He changed our life. Nous avons récupéré une nouvelle nature. We retrieved a new nature. Cette nature que nous sommes nés en Christ. This nature is us being born in Christ. Et dans cette nature, la Bible dit, And in this nature, the ayant Bible été says, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, created in Christ Jesus for good works, que Dieu a préparé d'avance. Avant que nous les pratiquions. Beforehand. Alléluia. Alors, c'est-à-dire, bien-aimé, si tu n'arrives pas à comprendre aujourd'hui, tu vas pleurer. Et lorsque ce qu'on est en train de vivre dans le monde prendra fin, tu ne sauras pas et tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. You will not understand. Once the things that we're living have come to end, you won't understand what has taken place. Dans Romains 6, verset 6, la Bible dit. In Romans 6, 6, verse 6, what does the Bible say? Sachez que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Listen to me very well, my beloved. Tous ceux qui ne veulent pas se sacrifier à Dieu. Whosoever does not tous ceux qui veulent, ou soit dans leur pensée, ils ont toujours besoin que les confinements puissent prendre fin et
de rentrer dans des mauvaises choses. Vous faites l'erreur dans votre vie. You're waiting for this confinement to end just so that you can go back to your evil things. You're making a mistake. Même si tu viens à l'église, c'est que tu n'as jamais connu Jésus-Christ dans ta vie. Even if you have come, you go to church, but that means you've never known Jesus Christ. Parce que la Bible nous dit dans Romains 6 verset 6. Because the Bible tells us in the book of Romans 6 verse 6. Sachant que notre vieil homme a été sacrifié. Donc, lorsque Christ était sacrifié sur la croix, il a tout sacrifié de nous. Avec lui. With him. Afin que le corps du péché fût détruit. So that the body of sin might be done away with. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, c'est-à-dire, celui qui veut le confirmer, prendre fin, afin qu'il puisse rentrer dans les habitudes, c'est qu'il est l'esclave du péché. That means whosoever is waiting for the quarantine to end so that you can go back to your old ways, you're a slave to sin. Ce que je te dirai. What I'm saying. Fais un effort de chercher un homme de Dieu de pouvoir te... que tu passes à la délivrance. Make an effort for you to seek a man of God so that you can go through delivery. Sinon, après cette histoire, otherwise, after this story, Dieu peut faire des choses que tu ne sauras pas comprendre dans ta vie. The Lord will do things and you are not to understand it in Je te demande pardon. I ask for forgiveness. Bien-aimé. My beloved. Jésus a tout sacrifié pour toi. Jesus had sacrificed all for you. Le temps de changement est arrivé. The time of change is Sacrifie-toi, donne-toi à Dieu. Sacrifice yourself, give yourself to the Lord. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Sacrifie ton corps, bien-aimé. Sacrifice your body, my beloved. Et tu verras la main de l'Éternel. And you will see the hand of the Lord. Toujours dans Romains 6, 13, la Bible dit. In Romans 6, we're going to verse 13. The Bible says. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Bien-aimé. My beloved. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre. The Bible says the Lord speaks in one way or another. Et tel que nous ne sommes pas forts. And as we are not strong. Nous sommes les humains. We are humans. Et parfois il y a des faiblesses en nous. And there are many a time there are weaknesses in us. Mais dans Romains 6 verset 19 qu'est-ce que la Bible dit? But in Romans 6 verse 19 what does the Bible tell us? Quand il est sur moment. I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. Mm-hmm. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness. Resulting in sanctification. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, amen. Listen to me, my beloved. La Bible dit. The Bible says. Je vous exhorte donc, frères. I urge par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice. To offer your body as a sacrifice. Vivant. Living. Saint. And holy. Agréable. Accepted à Dieu. To God. Si tu vis dans le péché, if you're living in sin, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. You cannot approach the Lord. Amen. Amen. Or, nous poussons notre corps, le membre de nos corps dans le péché. And we push our bodies, the members of our bodies into sin. Mais dans Romains 6 verset 19, la Bible nous recommande que nous puissions esclave de Dieu. And the Bible is telling us in the book of Romans 6:19 that the members of our body need to be slaves to the Lord. Bien-aimé, comment est-ce que tu conduis ta vie? My beloved, how do you lead your life? Dans ces moments difficiles que nous sommes là où les gens sont confinés partout dans le monde. In this difficult time where the whole world is in confinement.
Quelles sont tes pensées? What are your thoughts? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Mais Dieu te dit ceci. But the Lord is saying this. Sacrifie ton corps. Sacrifice your Donne-lui ton corps. Give him your body. Que ton corps puisse être non l'esclave des péchés, mais l'esclave de Dieu. Your body not to be a slave to sin, but a slave to the Lord. Enfin, tu seras agréable devant lui. Up until you will be agreeable before him. Et tu seras agréable et tu seras saint devant lui. And then you will be holy before him. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alors, 1 Pierre 2 verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Peter 2 verse 5, what does the Bible tell us? I read in Jesus' name. Mm-hmm. You also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Mmh. Mmh. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mmh. Ce n'est pas parce que nous partons dans les immeubles que nous appelons église que nous ne pouvons pas servir Dieu. It does not mean that just because we're not going to the buildings, the church, that we are not to serve the Lord. Même si ces maisons sont fermées aujourd'hui, vous m'écoutez, on est en train de faire notre service. Even right now, the churches may be closed, but as you're hearing me, we are to do our serve works. Depuis que nous sommes confinés, combien de personnes que toi tu as exhortées, combien de personnes que tu as partagé la parole de Dieu? Since you've been in confinement, how many people have you preached to? How many people have you shared the word with? La Bible dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. You also as living stones are being built up as a spiritual house. Saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. For a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Amen. God is good. All the time. Écoutez, maloba, oh, ils ont touché ma casse bien. Listen, these words are truly touching me, my beloved. Lorsque Dieu veut que nous puissions offrir notre corps vivant à lui. When the Lord is asking. Et il est en train de nous montrer que cette corps ne doit pas avoir de défauts. It means that this body is not to have defects. Écoutez, dans l'ancien temps, l'Ancien Testament, in the Old Testament, avant qu'on puisse offrir des sacrifices à Dieu, de l'holocauste à Dieu, before they would give the sacrifice to the Lord, on était en train d'examiner l'agneau qu'on va donner jusqu'à ce qu'à découvrir s'il n'a pas de tâches, de défauts. En ce moment-là, on va le présenter à Dieu. They needed to first of all inspect the lamb that they were to sacrifice to make sure there are no faults, no defects before they could offer to the Lord. Or, comme Christ, l'agneau qui ôte les péchés. And just as Christ, the one who was without sin. Il a été examiné. He had examined. Mais on n'a pas trouvé de défauts, de fautes, de fautes en lui. There were no faults, no defects found in him. Et c'est pour cela qu'il a été crucifié pour nous. Which is why he was crucified for Alors, us. Alors Dieu veut que nous puissions nous sacrifier. The Lord wants for us to sacrifice. Dieu veut que nous puissions être des sacrifices agréables auprès de lui. He wants us to be acceptable sacrifices to him. Alors si nous offrons un sacrifice par rapport à sa compassion. And if we offer ourselves as sacrifice in accordance with his mercy. Parce que lui-même, il s'est sacrifié comme compassion pour nous, pour que nous soyons libérés, bien-aimés. Because he himself sacrificed himself for our mercies. Pour que nous soyons libérés. So that we can be free. Alléluia. Alors c'est pour cela, nous sommes censés de comprendre ces choses, bien-aimés. Nous allons lire encore dans Éphésiens. We need to understand these things, so we will now read the book of Ephesians. Ephésiens 1, verset 4. Ephesians 1, verse 4. I read in Jesus' name. Amen. Amen. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. Mm. Ephésiens 1, verset 4. Hein? Yep. Mm. La Bible dit, et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Amen. Bien-aimés, my beloved,
En tout cas, le moment est arrivé. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, de changer sa façon de vivre. The time has come for those who have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. They need to change the way they're living. De changer sa manière de vivre. To change the way that they're living. Parce que à l'origine de notre création, nous étions sans défaut comme nous avons lu. Because the our origins when we were created, we were without fault. Oh, la Bible nous montre encore aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. And the Bible shows us that the body our bodies are the temple of God. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu puisse demeurer et habiter en nous. So that means the Spirit of the Lord is to remain and live in us. Alors si le Saint-Esprit demeure et habite en nous, if the Holy Spirit remains and lives in us, cela fera que nous puissions être agréables à Dieu. That will make it that we are acceptable to pour God. Pour que nous soyons des sacrifices raisonnables, vivants et agréables auprès de Dieu. So that we can be acceptable living sacrifices to the Lord. 1 Corinthiens 3, verset 16. Do you not know that you are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? Amen. Mm-hmm. Alors, dans Ephésiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, sur votre temps, 1 Corinthiens 6, verset 19. We're still in the book of 1 Corinthians, but then we'll go and read in chapter 6, verse 19. Mm-hmm. I read in Jesus' name. Amen. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela que j'ai dit. That is why I say, my le temps de faire les sacrifices est arrivé. The time to make the sacrifice si tu es de Dieu, if you are of the prends Lord, la décision, make a decision de pouvoir te comporter comme un enfant de Dieu. To lead your life as a child. Parce qu'après cette virus de corona ou le confinement que nous vivons, tu ne sais pas ce qui va arriver. Because after this coronavirus, after what we're living ends, we do not know what is to come. Beaucoup after. Sont morts. Many have died. Mais le temps est arrivé pour toi, bien-aimé. But the time has arrived for you, my c'est pour cela que Dieu t'a fait grâce que tu puisses me suivre aujourd'hui. Which is why by the grace of the Lord, you have been able to follow me. Même si tu vas me suivre après. Even if you are to follow me afterwards. Donne ta vie au Seigneur. Give your life to the Lord. Donne ta vie à Dieu. Give your life to God. Sacrifie-toi. Donne le sacrifice. Sacrifice yourself. Give the sacrifice. Écoutez, les choses de ce monde ne peuvent pas te donner tout ce que tu cherches. Listen, the things of the world will not give you what you are seeking. Même si on te donnait tout, bien-aimé. Even if they give you all, tu auras toujours besoin de quelque chose. You always desire mais more. Si tu as Dieu aujourd'hui. But if you have the Lord. Toutes les vides qui manquent. All the lui, au travers le Saint-Esprit, he, through the works il of va the Spirit, te combler. He will fill completely. Sacrifie-toi, bien-aimé. Sacrifice yourself. Prends la décision aujourd'hui. Make a decision de today tout éviter. To avoid all, de tout refuser. To refuse all, parce que les sentiments de ce monde, because the desires les of this choses world, mondaines, these ne peuvent pas t'amener auprès de Dieu. It will not bring you before lui, the Lord. Il veut que tu puisses rentrer à lui. He wants you to return to him. Comme l'enfant prodigue qui était rentré au auprès de son père. Just like the prodigal son, he went back to his father. Que tu sois saint et agréable. For you to be holy. Parce que celui qui est saint et agréable, lorsqu'il ouvre sa bouche pour dire, le Père céleste écoute. The heavenly Father hears. Amen. Dites amen là où tu es dans say ta maison. Amen where you are in your house. Amen. Et la Bible dit encore. The Bible tells us again. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Attends. Are we... Romains 12, verset 2. Romans 2, verse 2, I read in Jesus' name. Amen. 12 day. Romans 12, verse 2, I read in Jesus' name. Amen. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind,
so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Bien-aimé. My beloved. Vous savez, le monde. We know the world. C'est là où il y a la puissance de Satan. Is where it's the. C'est là où il y a la force de Satan. That's where the strength. Alors, si la Bible nous dit que nous puissions pas nous conformer de ce qui est au monde. If the Bible is telling us not to conform to the world. C'est que nous puissions éviter tout ce qui est de Satan. That means we need to avoid all that is satanic. Amen. Amen. Que nous puissions éviter tout ce qui est de Satan. That means we are to avoid all that is satanic. Nous ne devons pas coopérer ou laisser le vide avec le Satan. We are not to cooperate or leave an opening for Satan. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous rassembler avec ce qui n'est pas de lui. And the Lord does not want us to resemble the things that are not of His. Sinon, nous ne serions pas saints et nous ne serions pas agréables. Otherwise, we would not be holy and therefore not acceptable. Alors, ce que la Bible nous dit dans 1 Jean. What the Bible tells us in the book of 1 John. 2. 2. 15 à 10, à 16. 15 to 16. I read in Jesus' name. Amen. Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Mm-hmm. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Écoutez, listen, j'aimerais que vous puissiez me saisir très bien. Nous avons commencé par que nous puissions nous sacrifier, que nous soyons des saints, agréables à Dieu. Et nous avons vu, il y a des choses qui nous poussent, même certaines parties de nos corps qui nous poussent afin que nous puissions demeurer dans les péchés. That even if we've seen that our bodies or even members of our bodies are push us into sin. Na mona ngo passe na bato to mona ndeto vivre to fana bandaku yo ozaka na makantika ko ki nosala ki ndumba oyiba osala ki ndoki osala mabe ezali passe. I find it sad to know that we're in confinement but your thoughts are to go and dabble in witchcraft, in prostitution. Which is why the Lord is telling you that the Lord always gives us an opportunity to change. Maybe where you are, your heart is lighting up. Saint Esprit a dominé but let the Holy Spirit dominate. Pour appeler ça yo force ya kobima na makambu ya mabe. To give you the strength to come out of what is bad. Yango to tangi na na un Jean Bible explicite et Robin a dit ça. Moto nyoso lingi mo amour ya mokilaza ya nzambe te. Whosoever loves the world is not of the Lord. Hallelujah. Et puis lingi biloko za nakata mokise ke amour ya nzambe za kati na. If you love the things of this world then the love of the Lord is not in you. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point des pères, mais vient des mondes. Mm. Alléluia. Bien-aimé, t'as et pour qui on s'est sacrifié. My beloved, the time has arrived for you. Sacrifie ton corps. Sacrifice your body. Sacrifie ton âme, ton esprit. Sacrifice your soul and your spirit. Écoutez. Listen. Lorsque tu sacrifies ton corps, when you sacrifice your body, tu laisses Dieu te conduire. And you let the Lord lead. Qui verra les changements dans ta vie? You will see a difference in your life. Comment pouvons-nous être saints et agréables à Dieu? How are we to remain holy and acceptable before God? C'est pour cela la Bible dit. That's why the Bible tells us. C'est par le renouvellement. It's by the renewing. Renouvellement de l'intelligence. The renewing of the intelligence. Romains 12, verset 2. Romans 2, verse 12. Romans 12, verse 2. Mm-hmm. Romains 12, verset 2. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous être sains et agréables à Dieu uniquement par le renouvellement de notre intelligence? It's uniquely only by the renewing of our mind. Alléluia. Ephésiens 4. 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4. 22 à 24. 22 to 24, I read in Jesus' name. Amen. That in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on your new self,
which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. Oui, I feel it sad when people feel as if the Lord doesn't speak or the Lord is not moving. If you go to a true church and you hear the true preaching, you are to change. Even if you're following pastors on Facebook, on YouTube, even if you're following pastors and it's not that you hear the word and in that moment you're happy, but then you're not out there executing. Bible dit, et égard à votre vie passée, du vieil homme qu'il se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et pas ma monnaie la souligner on a la Bible. Monnaie. Donc qui produit la vérité. That produces the truth. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire bien-aimés, tous, même moi qui parle, si nous regardons notre vie passée, personne ne peut s'approcher de Dieu. Even I, who is speaking, if you are to look at my past life, I will not be someone to come before the Lord. Au moment où plusieurs sont en train de mourir. In the moment where many are dying. Mais toi, tu as la grâce de respirer, de vivre. But you have the grace to be alive and to live. C'est pour cela que Dieu a besoin de toi. That's why the Lord needs you. Donne ta vie au Seigneur. Give your life to the Lord. Sacrifie-toi. Sacrifice tu n'as pas besoin d'amasser tout ce qui est sur cette terre. You are not to there's no need to embrace. Cela ne te donnera absolument rien. It will not give you anything. Je vous ai dit. I am saying. Au moment où je parle. In the moment as I'm même speaking, les billionnaires ne peuvent pas aller dans les vacances. They can't even go on holiday. Parce que personne ne peut sortir. Because no one can go out. Hallelujah. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que sert de cet argent? So what is their money doing? Mais si tu as Christ aujourd'hui, if you have Christ today, si tu as Jésus aujourd'hui, if you have Jesus si tu today, te sacrifies pour lui, if you serve, lui, il va prendre soin de toi. He will take est-ce care qu'on of peut you? Acclamer pour la gloire de Dieu? God is good. All the time. All the time. God is good. Renouvellement de l'intelligence. The renewing of the mind. Le mot intelligence ici désigne quoi? When it's saying mind, what does it mean? C'est notre intérieur. It's our interior. C'est notre cœur. Our heart. D'où nous ne laissons penser les désirs, les projets, tout ce qui est l'intelligence, c'est en nous, à l'intérieur. All our projects, our thoughts, everything that is in our interior. C'est là où proviennent nos pensées. That is what leads our thoughts. C'est là où les désirs de notre coupable, de notre vieille nature viennent. That is where our thoughts, our conscience, it comes from. L'intelligence donne aussi le penser à notre désir, the mind de notre nature. Fills us with the desires of our nature. Nos pensées ou nos actions seront à l'image de notre intelligence. Our thoughts, our actions are based on what is in our minds. C'est pour cela, lorsque nous devenons chrétiens, which is why when we become Christians, toute la première des choses que nous sommes en train de faire, que nous soyons, que notre intelligence soit transformée. The first thing that we are to do when we come to Christ is for our minds to be transformed. Si tu es chrétien, ton intelligence n'est pas transformée, c'est que tu ne connais pas Dieu. If you're a Christian and your mind has not been transformed, then you do not know the Lord. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Is someone hearing me? Si quelqu'un est né de nouveau, if someone is la première born des choses, c'est que son intelligence, son intérieur puisse is être renouvelé. Interior, that their mind is renewed. Car si cela est renouvelé, because once it's renewed, tu vas commencer à éviter tout ce qui est de mal you'll pour faire le bien. Avoid all that is bad so that you can do what is good. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Car c'est en réalité, Dieu a accompli l'essentiel du travail pour notre renouvellement de l'intérieur. Nous avons surtout pour 4 nabis sur les à la renouvelée. Ephésiens 4, verset 24, le bien. Ephesians 4, verse 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen.
and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé. Et lorsque nous sommes renouvelés, nous serons équipés. We are equipped. Un vrai chrétien est équipé. A true Christian is equipped. Nous sommes équipés de quoi? What are we equipped with? Nouvel homme. A new self. Créé par Dieu. Which is in the likeness of God. Dans la justice de Dieu, là où il n'y a pas le péché. In the righteousness of God, where there is no sin. Et une sainteté qui produit la vérité. And holiness of the truth. C'est pour cela que tu verras quelqu'un qui est renouvelé, qui est né de Dieu. C'est difficile qu'il puisse parler de mensonges. Parce que en lui, le mensonge n'a pas de place. Because which is why you see someone who is renewed, you will see that from their mouth lies will not come because they are not filled with lies. Mais celui qui n'est pas renouvelé, c'est quelqu'un qui vit encore dans sa nature ancienne. Is someone who lives in their old self. Et c'est quelqu'un qui vit dans les mensonges. Il ne connaît pas Dieu. A life of lies. Il ne connaît pas Dieu. Oh, la Bible nous montre le père des mensonges, c'est qui? C'est le diable. C'est ce type là, c'est cette personne. That est toujours condamné comme esclave de ce monde. They're still living as a slave to the world. Je vais finir, bien-aimé, pour que nous puissions prier. Alléluia. Alors, si nous sommes renouvelés, si nous sommes agréables, la première chose que nous devons faire, the first thing that we are to do, nous allons aimer le Seigneur. We are to love the Lord. Nous allons aimer Dieu. Love God. De tout notre corps, cœur, de toute notre âme, with all our soul, et dans toutes nos pensées. With all our thoughts. Marc 12. Mark 12. Marc 12. Mark 12. 30 à 31. 32, 31. I read in Jesus' name. Mm-hmm. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Amen. Tout ceci, on est en train de parler aux gens qui sont renouvelés, les gens qui vivent, qui sont agréables à Dieu, les gens qui connaissent Dieu. These are for those who have been renewed, those that have become acceptable to the Lord and know the Lord. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, it means, nous sommes censés d'être renouvelés afin que ces choses puissent s'accomplir en nous. We need to be renewed in order for these things to be accomplished in us. Alors nous allons prier. Now we are to pray. Nous allons prier et dire à Dieu. We are going to pray and say to the Lord. Qu'il puisse nous aider que nous soyons transformés réellement. For him to help us so that we are truly transformed. Parce que makambo ezoleka na mokili mama o. Because the things that are taking place in this world. Soit aux âges renouvelés. If we are not renewed. Zali ma pe passe. It's very sad. Bien aimé souk ezali. My beloved, there is an end. Oh, tout le monde est en souk à terre. It's not yet the end. Les alli bassine ou comme ils ont mentionné souk. It's the signs to show we're coming to the end. Na bassine oh yo zone na kako vivre na mabe. In these with these signs you still want to live in sin? Na bassine oh yo mutema no zo pusuka ko kesa la mabe. With these sins your heart is still pushing you to do what's bad. Na bassine oh yo ba penser na yo ezaka ko sala mabe. With these signs your thoughts are for you to do what is wrong? Ezama wa mingi bien-aimé. It's sad. Oh, na basino ezo mi mabso na suka. With these end times. Soki oza envie. If you're alive. Nzamba zo permet opo alingi yo. The Lord is allowing you. Alingi okufa na mabete. Alingi tele okene na li felo. Alingi un jour. He wants one day. Okene sika yezo abi na ke pa papa. Ko bongisa be sika po na bino. I'm going to. Yo pe ofe parti na be sika wana. You to also. Yango ta epe sa meli yo bien eme. So the time has been. Yako se sacrifie pa na nzambe. To sacrifice yourself to the Lord. All that is bad. All that you need, you'll receive it. Parce que ce que vous ma bé. Because if you're continuing, you see today, the confines of ma bé. You'll go back to doing your work, but know that there is a time. And when you will reach the is that when you want to please the Lord, you won't have the time. Mais but the Lord has allowed for you to be restored because he wants to make a decision, so that you can make a decision. Alléluia. Amen. I have some verses I want us to read before we end. Romans 13. Romans 13. 8 à 10. 8 to 10. Mm-hmm. Owe nothing to anyone except
to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. For this you shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not covet. And if there is any other commandment, it is summed up in this saying. You shall love your neighbor as you love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Lorsque nous nous sacrifions when we give ourselves pour être agréable à Dieu, to be acceptable tout to ce the qui Lord, est à Dieu all that is of the Lord seront à nous. Will be in us. Alors, si Dieu est amour, if the Lord is love, c'est le moment que nous puissions démontrer et manifester l'amour vrai et sincère vis-à-vis des autres. That is when we demonstrate that true love, that sincere love to others. Que nous soyons réellement des chrétiens convertis. For us to truly be convicted Christians. Et que si nous ne parlons pas, que les gens là où ils sont qu'ils puissent voir en nous ce qui est à Dieu. So that when people speak, they can see in us what is of the Lord. Hallelujah. Amen. C'est ce que Romains nous dit. That's what the Romans is telling us. Romains 13, 8 dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il ne peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. C'est jusqu'à combien? Jusqu'à 10, hein? Yeah. Hein? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Maman, t'as la source Galates. Galatians. Galates 5, verset 14. Galatians 5, verse 14. I read in Jesus' name. Amen. For the whole law is fulfilled in one word. In the statement, you shall love your neighbor as yourself. Mm-hmm. Amen. Amen. Galates 5, verset 14. Ne m'en m'attend toujours tout le monde à amour. Pour la bateau basali, renouvelé. This is for people who have been renewed. Bateau basé sacrifié par Zambé. Those that have given themselves as a sacrifice. L'amour de Dieu est en eux. The love of the Lord is in. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, chrétien, allélo, bon lingueza soustait. Today, there's no love. Vraiment, on a abondé la source à chrétien. Ceux qui confirment s'y li. Zonga mon nimi à solo. Linga bande kono parce qu'on a renouvelé. Zamba renouvelé yo. Kaka na kolinga diable moi menaso ezate. Kaka na kolinga diable moi salo. Kolinga fomo na bola. Ya Nzambe. Parce que zama la. Alléluia. God is good. Matthieu 22, verset 40. Matthew 22, verse 14. Même histoire. The same story. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tala. Look. Moutoua Kobananga Zali a se sacrifié par Nzambe. He who has given himself as a sacrifice. Moutoua Kobananga Yazali agréable devant Dieu. Will say that they are acceptable before. C'est-à-dire Moutoua Nazan amour. It means that person has love. Lorsque tu as l'amour. When you have love. Tu as Dieu. You have God. Amen. Celui qui se sacrifie se donne, il a Dieu. Whoever gives themselves as a sacrifice dit, has the Lord. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. And the Bible says 40. Matthew 22:40. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au temps de la prière. We've now come to the time to pray. Que Dieu nous aide. May the Lord help. Je pense que quelqu'un m'a attendu. Je pense que quelqu'un Dieu lui a parlé. That the Lord has spoken. Au milieu de tes pensées. In the midst of your thoughts, au trouble de ton cœur. In the troubles of your Dieu heart, t'a répondu. The Lord has answered. Sacrifie-toi. Give yourself as a sacrifice. Sacrifie-toi pour lui. Sacrifice yourself. Sois for saint. Him. Be holy et agréable pour and Dieu. Acceptable to God. Et il y a des choses qui se feront dans ta vie. And there are things that will take place in et your le life. Saint-Esprit viendra sur toi. And the Holy Spirit will come et l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses sera en toi. And the love of the Lord that surpasses et tu vas aimer les autres. And you will love others. Amen. Amen. Répète cette prière après moi. Repeat this prayer after me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je dis pardon. I
ask for forgiveness. J'étais dans l'erreur. I was in error. Mais aujourd'hui, mon cœur est disposé. My heart is ready. Parce que tu m'as fait grâce. For by your grace. Que je puisse, tu m'as fait grâce, que je puisse être renouvelé encore avec toi. By your grace, I've been able to be renewed once again with you. C'est pour cela. Which is why je t'invite dans ma vie. I invite you afin into que my je life, sois renouvelé. Up until I am renewed. Viens comme mon Seigneur come as my Lord et mon Sauveur. And my Savior. Pour que je puisse so vivre. That I can live. Que je sois agréable. So that I can be acceptable. Saint. Holy. Et l'amour de Dieu. And the love of God. Pénètre dans ma vie. Penetrate in my life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Si tu as fait cette prière. If you have done this prayer. Dieu t'a pardonné. The Lord has forgiven il a donné son fils pour toi. And he gave his only son for you. Et aujourd'hui, and today, il y a la gloire au ciel. There's the glory in heaven. Et Dieu te bénira. And the Lord will bless you. Alors maintenant, nous allons prier ensemble. Now, right now, we are to pray together. Bolingo ya ngana Yesu e bolingo ya sukateu. 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 Bolingo ya ngana Yesu e papa nzambe te mwana nga. Bolingo ya ngana Yesu e bolingo ya sukateu. Abeta ki e pona nga. Bafina ki epona nga. Alleluia. Bapolo bini nipona Yesu na yo. Alleluia. Neko tiki nini pona nzambe na yo. Alleluia. Naina tiki na nga kinumba ye. Alleluia. Naina boi na nga koswa na ye. Alleluia. Naina kimi na nga matongi ye. Alleluia. Naina doje na nga kinumba ye. Alleluia. Jésus m'a aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Jésus m'a libéré. Alléluia, alléluia. Masia kumbama. Masia kumbama. Masia kumbama. Masia kumbama. Zambe bolingo yo kumbama. Masia kumbama. Zambe makasi yo kumbama. Masia kumbama. Tokolonga pona Yesu, tokolonga pona Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa mapendo ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. E Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa mapendo ni Yesu. Mungu wa uzima, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Bien aimé, nous allons prier. My beloved, we have to pray. Tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. You'll surrender your life into the hands of the Lord. Je pense que tu m'as saisi, tu m'as écouté. I believe that you have heard me, you have seen. Dieu veut que tu ne sois pas, tu ne vis pas par rapport à ce monde. The Lord does not want you to live in accordance to this world. Il veut que tu puisses rentrer auprès de lui. He wants you to return to him. Alors tu vas pleurer pour ta vie. You're going to plead for your life. Comment est-ce que tu conduisais ta vie? How is it that you led your life? Tu n'as pas voulu être renouvelé, que ta vie soit renouvelée. You are not, you do not want for your life to be renewed. Mais aujourd'hui, but today, Dieu te dit sacrifie ta vie. The Lord is saying sacrifice your life. Que ta vie soit sacrifiée. Your life to ton be âme, ton corps, your ton soul, esprit. Your body, your spirit. Au nom de Jésus. In the name of comment Jesus. Soit prier au nom de begin Jésus. To pray in the name of Jesus. Oh, Yesu na yipa na yo pas ko zalenza. Na yipa na yo pas ko zali papa. Na yipa le pa na yo moko. Na yipa zalenza kwa lobaka. Lobi pepo na ngai nzambe. Yawe na lingi bomo na ngai za la sacrifier. Na lingi bi na ngai za la sacrifier. Na lingi bomo na ngai za la sacrifier. Ya mona bele lio papa. Na komisio poza linzambe. Oya sala ka koka mo emine. Yawe soko ko sala tem to sala zalite. Na bele lio Seigneur Jésus. Na bele lio le roi des rois. Na bele lio Jova Sabaote. Na bele lio El Shaddai. Na bele lio Elohim. Na bele lio le véritable Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sembola lobo konayo. Manifeste-toi, Seigneur, agis. Agis parce que Zali Zambé. Agis parce que Zali Papa. Agis parce que Zali Mokon. Yahweh.
Tita et maman à l'oboko na yo Seigneur. Vina mes à la renouvelle. Papa, n'abele li oppose à l'Izambé. N'abele li oppose à l'Ipapa. N'abele li oppose à l'Roi des Rois. N'abele li le comparable à Dieu. N'abele li le Tout-Puissant. N'abele li Alpha Omega. N'abele li le véritable Dieu. Jehovah Sabaoth. N'abele li El Shaddai. Au nom de Jésus. Bien aimé. Na moment oyo. In this moment, we're telling the Lord this. By ourselves, you can agree. To be acceptable to him. The Bible shows us conformé na makama mokilo te. Let us not conform. Parce que na mokilo puissance ya diable zali. Because in this world the power of the devil. Mais tika ete to linga to vivre te par rapport na makama ezana mokilo. But let us not live in accordance with the things that are living in this world. Tala yango so to vivre na makama ezana mokilo yo corona ye tout le monde ba obama. If we live to the things of this world, the coronavirus has come and all are afraid. But I ask myself, if the coronavirus is how will we live? Will we return to our old ways? But you've been given an opportunity to be renewed. Ask for the Lord to protect you, for you to continue to be renewed until the end of the world return. Everything that was of evil, everything of this world, in the mighty name of Jesus. Alleluia, alleluia. Naiko kwaka nyoso zali ayote. Naiko refize nyoso kia sena mokilo. Naboyo nyoso tuwe za prezante. Nabo mwenanga ya mokile. Yawe nabe ya unaboyo ya mokwa skozali zame. Nalina vivre konforma na mokilo te. Na rejete nyoso nema na lobi. Nalina tato la nakumi sayo. Na vivre senon te konse senon oyo mwuzipo na la. Senon ba dezi na yo mzambe. Na pesa gloire repaye na yo senya. Na tato la yo papa na kumi siyo kozali zame. N'abele li opposa le véritable Dieu, le roi des rois. N'abele li Jehovah Sabaoth El Shaddai. N'abele li Elohim, le véritable Dieu. N'abele li le roi des rois. Zambé na lola. Obongina kemona ma sanzolo salakayako. Sabaoth El Shaddai Elohim. Na koumisu grandeur de puissance na yo. Na tato li opposa le longa. Force de puissance des alliés. Victoire fait longue des alliés. Tellement Jésus. Tellement le roi des rois, tellement le comparable Dieu, tellement le roi des rois, tellement Alpha Omega, tellement le véritable Dieu, tellement le tout puissant. Yahweh, oh non, ce que Téléma qui est paralysé, oh non, ce Téléma qui est zambé, Naboyango dans les mains de Jésus, tellement papa, ou maman dans les zambé. Zamena lola na tatoni au Seigneur Jésus. Zamena lola na beleli au papa. Zamena lola na kumi si au Seigneur. Na kombo na zumasi au zali zambe. Na kombo na zumasi au zali papa. O salaka ya koka mwani lele. Zinanga ya zala restaurer. Renouvelle Seigneur. Via bana no bala niga lelo. Yahweh o koti kati na bango. O salaka ya koka mwani lele. Koti kabala na yote Seigneur. Renouvelle vina bango Seigneur. Salaka ya koka mwana beleli au Zambé, salaya minene na bele mio papa, sembola loboko na yo Zambé, sembola loboko papa, oh kita sala. Bien aimé, tous autres télémé la puissance nyonso. We're standing up against every time. Toujours na faiblesse. That is placing us in weakness. Every time you want to do what mais is good, but there's a power that always brings you back. Renouvelé. But today you are renewed. The Lord has entered nyo into you. Tout, all that was dead in you, you are putting it in you. You are standing up in the body. All that is going to bring you back. Dans to le nom de Jésus Christ, comme il commande le nom de Jésus. Yahweh na lola na epa na yo dans le nom de Jésus. N'ayez qu'on n'y a tapé pour déstabiliser puissance nyonso satanique et démoniaque. Oh, nous sommes donc sabana na yo sima. Tango on y va sale la yo ba okokate. Tango on y va sale la yo ba ozonga sima. Yahweh lelo et sili. Parce qu'on pessimise au pouvoir, à autorité. N'a n'y a tignonso tout. N'a bien dissipé, n'a déclaré chef total. Diable, oh, nous sommes tchèques comme un piège. Yahweh, ils allaient réduire à rien dans le nom de Jésus. N'a déclaré échec total. Yahweh, tellement papa. Yahweh, tellement le roi des rois. Yahweh, tellement Jehovah Sabaoth. Yahweh, tellement El Shaddai. Yahweh, tellement Elohim. Puissance, Seigneur, ténébreuse. Puissance.
puissant, Seigneur, ce satanique, Yahweh, et Zahanda, nos fites, dans les noms puissants de Jésus. Télémassa, la patron d'Ali, papa, n'a pour ici, opposant d'Ambé, Rosalie et l'homme, la bisso, Rosalie, victoire, la bisso, Rosalie, force, la bisso, Télémal et l'homme, de Télémie, donc aux hommes, la bisso, si maté, parce qu'on a l'Inzambé, dans les noms de Jésus Christ. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bien-aimé, aujourd'hui, en écoutant ma voix, si et seulement si tu as pris la décision de suivre Jésus, c'est lui qui sera ta pilier. C'est lui qui te tiendra. C'est lui qui te soutiendra. Il n'y a personne. Même dans ces moments difficiles, c'est lui seul qui a la capacité de pouvoir faire sauter tout esprit de mort qui se tient devant ta porte. Toutes sortes de maladies qui viennent auprès de toi. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui va implorer le nom de Jésus pour ta maison, pour ta famille. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Dans le nom de Jésus, je viens implorer dans le nom puissant de Jésus, ton nom Père, le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tous les noms qui changent, les noms qui transforment, les noms qui bouleversent, les noms qui nous a été accordés, les noms qui vivifient, les noms qui donnent la vie, les noms de Jésus. Lève-toi, Père, manifeste-toi, Jésus. Agis, mon Dieu, mon roi. Agis, le roi des rois. Agis, Jehovah Sabaoth. Agis, El Shaddai. Agis, Elohim. Le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, Jehovah Sabaoth. Que ma vie soit libérée. 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 Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni. Le nom puissant. Le nom puissant. Le nom puissant. Nous allons dire merci à Dieu et l'élever. We are going to say thank you to the Lord and praise him. Pour la fin. For the end. De notre séance d'aujourd'hui. Of our preachings today. Prions. Pray. Seigneur, merci. Nous venons te lever parce que tu es merveilleux. Nous venons te louer pour ce moment merveilleux que tu as été avec nous. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Tu es Dieu, tu es Dieu, notre Dieu, le roi des rois, le véritable Dieu. Sois béni, sois loué parce que tu es papa. Manifeste-toi parce que tu es le roi des rois. Sois loué dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, glorifie-toi parce que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons mis notre email info@vhm.com. My brother, we have put our email address. Notre numéro de téléphone est là. We've put our number there. Et tu peux nous suivre dans notre YouTube. Vessel of Honor Ministry TV. And you can also follow us on our YouTube channel, Vessels of Honor Ministry TV. Tu peux aussi nous suivre dans notre Facebook, Vessel of Honor Ministry. You can also follow us on our Facebook, the Vessel of Honor Ministry. Nous prions chaque jeudi de 18h30 à 21h30. We pray every Thursday from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Et chaque dimanche de 15h30 à 18h30. And every Sunday from 3:30 p.m. to 6:30 p.m. Notre adresse est là. Our address is there. 90A
Parchmore Road. 92A Parchmore Road. CR 7 8LX. Tontonif. Fontenif. Si vous n'avez pas là où prier, if you do not la porte est ouverte. Pray, the door is open. Viens nous rejoindre lorsque le confinement sera fini. Once the confinement ends, nous serons, we are going to be more than happy to have you. Et puis, si tu nous regardes, also, if you're watching, nous vous prions we pray, de partager cette link dans share le Facebook. This link on Facebook. Et aussi, veillez vous, vous souscrire dans notre YouTube, and subscribe to our YouTube et cliquez aussi la sonnette pour que lorsque nous sommes en live que tu puisses aussi regarder. And also turn on our notifications so that when we're live you can watch. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.